Waouh! Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous n'avez pas regardé le témoin puissant précédent, nous vous invitons à le regarder. De toute façon, cette vidéo apparaîtra à l'écran ici, juste à la fin de cette vidéo. Vous pouvez la regarder tout simplement parce que vous devez avoir les informations qu'il vous faut pour pouvoir bien comprendre ce qui va être étudié ici dans cette vidéo. De quoi allons-nous parler? Nous parlerons tout simplement de ça. Qu'est-ce que c'est, mes frères, ça? Ici, vous allez tout découvrir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette vidéo, activez la cloche et cliquez tout sur j'aime. C'est extraordinaire. Grâce à vous, peut-être que cette vidéo parviendra au top du top sur YouTube. Et Dieu merci. Waouh. Mes frères et sœurs, dans le témoin puissant précédent, nous avons appris tant de choses que moi-même j'ai approuvées. Je voudrais confirmer que ces choses sont réelles et que ce témoignage, franchement, c'est la vérité. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler de certaines choses qui ont été évoquées dans ce témoignage puissant. Cette personne nous a dit que le diable utilise la technologie et beaucoup de choses pour pouvoir se faire adorer par les humains. Et parmi ces choses, nous avons découvert que le diable utilise même les hommes pour se faire adorer. C'est-à-dire qu'il utilise les humains comme des supports sur lesquels il va faire sa propre publicité. Voilà, c'est ça. C'est donc la question ici. Et ce que nous allons vous montrer ici, les images que nous allons vous présenter ici, vont vraiment vous étonner. Comment les hommes eux-mêmes adorent le diable sans le savoir, vous allez choquer. Mais ne le soyez pas. Soyez forts, mes frères et sœurs. Ça va aller. Suivez-nous. Pendant que nous préparons le dispositif, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas quoi faire, vous l'a dit, et cliquez sur j'aime. Regardez l'écran. Que voyez-vous, mes frères et sœurs? Les choses sont claires et nettes. Ici, on voit une femme. Elle appartient au groupe des satanistes. Et elle sait clairement quels sont les symboles occultes. Elle le connaît bien. Et elle, bizarrement, un jour, elle a retrouvé ces mêmes symboles-là positionnés sur le t-shirt d'un jeune homme très beau. Et elle regarde attentivement cette scène. Et elle se pose la question de sa mère. Ah! Ce jeune sait-il qu'il est tenté de représenter le diable juste en portant ce t-shirt? Le sait-il? Est-ce qu'il le sait réellement? Mes frères et sœurs, c'est ça notre inquiétude. Les gens adorent le diable sans le savoir. Juste en utilisant un t-shirt par exemple, où il y a un petit truc bizarre qui est là-dessus. Et cette chose-là, c'est censé être la tête d'un dragon ou la tête d'un démon. Ça ressemble à tout sauf à quelque chose de pur. Et elle est consciente de cela. Quand vous voyez des cornes sur la tête de quelqu'un comme ça, c'est que vous savez directement que cette personne veut adorer un démon, le démon qu'on appelle Baphomet. En même temps, nous savons tous qu'il y a un truc qui ne va pas ici. Et cette chose, nous allons la découvrir ici. Comme Dieu se fait adorer par les hommes, le diable aussi veut se faire adorer. Regardez comment les gens adorent, les gens disent qu'ils adorent Dieu dans les églises. Même dans les temples, ils soulèvent des trucs pareils avec des coupes. Ah, on est venu me donner cette coupe à moi, il y a pas mon nom là-dedans, tu peux pour faire des trucs, vous savez pas ce que c'est. Bon, ok, il dit que lui, il adore son Dieu, qu'on le laisse faire son travail. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, ça devient grave. Parce que les gens, ils ont décidé d'aller même plus loin. Ça, c'est censé représenter le sang. C'est comme si elle avait bu un sang humain. Ou peut-être c'est son sang elle-même qui coule. Ou peut-être elle a fait ça juste pour le buzz. Juste pour blaguer. Elle s'est collé deux cornes. Et juste mis un peu de sang ici. Si vous pensez que la vie c'est de la blague, détrompez-vous. La vie n'est pas un jeu. Nous sommes ici en guerre. Et le diable lui travaille. Quand vous représentez des telles choses, vous pouvez vous dire que c'est juste pour blaguer, mais c'est pas le cas.
vous avez été poussé par des démons ou encore par des mauvais esprits qui souhaitent que vous les représentiez juste en vous prenant photo comme ça. La preuve en est qu'on a réussi à détecter cette photo, à voir cette photo. Vous avez vu, déjà qu'on voit cette photo, on a une idée de la femme, de l'état d'âme de la fille. Et c'est ce que le diable veut faire. Plus loin, on voit encore notre femme. Elle s'est fait tatouer. Déjà, dans notre société, quand on voit des gens qui se sont tatoués, on a une idée sur eux. On a carrément une idée arrêtée. On se dit que ces gens-là même sont déjà dans une autre dimension. Et on voit carrément là une tête de mort. Si vous voyez une tête de mort sur un vêtement ou tatouée sur quelqu'un, là, on n'a plus besoin de vous dire que c'est le diable qui est tenté de se faire adorer par l'homme. Il y a des gens qui ne savent pas que en portant des t-shirts, juste des t-shirts, seulement des t-shirts, où elle était morte, eux ils sont en train de faire la publicité du diable. Voilà, ça s'appelle la promotion ou la publicité du diable. Tu es en train de parler du diable à tout le monde, et quand les gens vont te voir bien habillé ou bien tatoué comme ça, ceux qui ne savent pas que c'est un problème, ils vont tout simplement copier ce que toi tu fais, surtout quand tu es une star. À la fin, nous allons voir ça, ne vous inquiétez pas. Et comme vous voyez ici, on voit clairement un dragon, et ce dragon là, il n'est pas beau. C'est que représente un dragon? Que représente un dragon? Ou qu'est-ce qu'est censé représenter un dragon? Un dragon, selon la Bible, on nous dit qu'un dragon est censé représenter le diable. Satan, Lucifer, lui-même. C'est lui qui est censé représenter le dragon. Donc, quand les gens portent aussi des t-shirts ou on voit des dragons comme ça, c'est le diable qui est censé être vénéré, adoré par les gens. Ce dessin animé, par exemple, parle d'un dragon. Et ce dragon est géant et il est jovial. Comment un dragon peut-il être jovial? Ce sont les satanistes qui l'ont fait. Ils l'ont fait de sorte que les enfants puissent adhérer à la magie, à l'occultisme ou encore au satanisme, juste en s'amusant, même en croyant que c'est un jeu. Même nous, nous tous ici, nous avons regardé ça, des têtes de saint animés. Peut-être que vous regardez toujours, mais vous vous souvenez que vous avez déjà vu ce dragon-là à l'intérieur. Nous vous disons aujourd'hui que si vous aimez ce dragon-là, ne l'aimez plus parce qu'il est censé représenter le diable. Et si vous vous l'aimez, vous aimez directement Satan, Lucifer, lui-même. C'est-à-dire l'ennemi de Dieu. Et c'est réel. Regardez par exemple ici. Quelqu'un a décidé de faire juste un truc pareil pour montrer à tout le monde que c'est beau. Il faut vraiment que vous regardez la couleur de la voiture, c'est joli. Mais il y a un problème. Le problème ici, c'est que cette personne est en train de faire la publicité du grand dragon qui est censé représenter même le diable. Et ce dragon-là est carrément glas sur sa voiture. Il est ici. C'est exactement le même dragon avec lui. C'est le même dragon-là qui est ici. Ici, à ce niveau, on peut voir la tête. La tête est ici et la queue en gros là. Toute la voiture, ce qui forme le vert, là, il est en vert, ce dragon est en vert. Ici, ici, on voit encore un autre dragon qui est en vert, c'est le même. Faites attention, mes frères et sœurs. Cette femme va peut-être prendre sa voiture, rouler sa voiture, comme les gens sont fans des voitures de luxe. Quand ils vont voir ça, ils vont se dire que c'est joli. Et eux aussi, ils vont tout simplement aller se faire tatouer les dragons ou peindre les voitures en dragon. Voyez-vous? Et là, on va dire que les gens vont commencer à adorer qui? Le diable sans le savoir. Peut-être elle ne sait pas, elle ignore que c'est ce que c'est censé représenter et que le serpent est censé représenter le diable. Mais il y a les gens qui le savent aujourd'hui. Faites très attention. Et ces choses vont plus loin. Là, on voit une carte. Cette carte s'appelle Belzé. Belzé. On dit Belzé des dragons diaboliques. Belzé. Bulzé, comment vous lisez ça? Bulzé des dragons diaboliques. Ah! Toi, tu entends diabolique, dragon diabolique. Dragon diabolique. Ça veut dire que tous les dragons que les gens vont se faire dessiner sur le corps, ou bien sur la voiture, ou bien quoi ou que ce soit, même sur les vêtements, ce seront tous des dragons diaboliques. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est la publicité des dragons diaboliques. Et effectivement, le dragon qui est ici, il n'est pas gentil.
comme ce qu'on nous présente même là. Là, on nous présente un dragon qui est gentil. Mais ici, il n'est plus gentil. Est-ce que vous voyez? Oh, le fou, autofocus, s'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regardez. Ici, ce dragon n'est plus gentil. Hein? Il est carrément plus gentil du tout. Il est laid et il est diabolique. Il est censé être méchant et il est censé faire du mal et il est mauvais. C'est une carte. C'est un jeu de cartes. Les gens jouent beaucoup aux cartes et c'est regarder ce que les gens font. Dans les dessins animés, on représente tout ça. Des créatures du monde des ténèbres sont tentées d'être révélées dans les dessins animés. Et ce sont les enfants qui découvrent cela. Pendant que leurs parents eux-mêmes, ils ne s'intéressent même pas à toutes ces jeunes histoires. Ce démon que vous voyez à l'écran, il n'existe. Dans la réalité, il existe. Et c'est dans le monde des ténèbres qu'on peut le voir. Ceux qui le représentaient ici, ils voulaient juste l'honorer, honorer ce démon-là, ou encore ce prince des ténèbres-là, juste à la télévision. Faites attention. Dans les dessins animés, on nous présente toujours ces jeunes dragons-là de façon inoffensive, ils sont joviales. Et regardez comment ce dragon est beau. Vous avez l'impression qu'il est, il est amusant. Mais le diable ne va jamais vous présenter un aspect ou encore une image de lui de façon vilaine comme ça. Il ne peut l'être que l'être. C'est pas possible. Il va toujours se présenter comme une personne bonne, joviale, agréable. Mais regardez son visage. On a l'impression que c'est le même dragon qui est là, qui est ici, mais en version colère. Ou bien qu'on va dire quand il est fâché. Et si toi m'as porté ce t-shirt carrément là, qui est dessus là, un vrai dragon comme ça. Les choses sont claires. Plus rien n'est caché, les choses sont visibles. Là, on voit la tête des morts. Et de cette tête-là sort un dragon horrible, féroce, en colère. C'est ça la tête des gens. Quand quelqu'un porte un vêtement pareil, avec une tête de mort pareille, c'est que cette personne est en train d'invoquer l'esprit de mort sur lui-même, ou bien sur elle-même. C'est exactement ça. Et c'est le diable qui domine sur vous, parce qu'il va se positionner sur le trône de votre vie. Regardez où ce dragon-là se trouve, juste là en haut. Et quand on va plus loin, ça devient populaire. Et ça devient vraiment beau. Les gens sont en train d'embellir la chose pour séduire l'humanité. Comment les choses du monde de ténèbres peuvent-elles être belles? Regardez ça. Ça, c'est le démon Baphomet. Cette tête de chèvre que les gens adorent. Mais en dessous, on voit plusieurs crânes. Plusieurs crânes. Ça veut dire que c'est un démon qui reçoit des sacrifices humains. Des sacrifices humains. Et les gens décident d'honorer ce démon-là juste en portant des vêtements où il y a des têtes de mort. Mes frères et soeurs, c'est grave. C'est même plus grave que grave. Le savez-vous? C'est triste. Regardez ça. Là, on voit une femme. Une femme diabolique aussi. Qui est là. Elle a la même tête de mort juste en bas. Faites très attention aux artistes qui vous présentent des têtes de mort sur les vêtements passés par là. Ça veut dire que ces artistes-là vont vous transférer l'esprit de mort. Et comme vous voyez une bougie sur la tête de cette créature, ça veut dire que cette personne qu'elle a fait des rituels. Et au cours de ces rituels, il y a le sang qui coule. Et le sang qui coule, c'est pas le sang des chèvres, c'est pas le sang des animaux, c'est le sang des humains. Parce que c'est la tête des humains qui est ici. Et c'est exactement ce que le diable a demandé en sacrifice. Mes frères et sœurs, faites attention. Et ce signe, ce symbole, on l'appelle The All-Seeing Eye. All-Seeing Eye. C'est un œil qu'on appelle l'œil qui voit tout. Cet œil aujourd'hui est publié par plusieurs célébrités. À la suite, vous allez voir ça. Ici, les gens rentrent dans le monde des ténèbres. Et ce que ça donne, c'est que même dans la technologie, on voit des marques qui sortent. Et les gens ne se posent pas des questions, mais pourquoi est-ce que sur la marque, il y a trois serpents? Le premier serpent est ici,
C'est un serpent, mes frères et sœurs. Ne me dites pas que ça, ce n'est pas un serpent. C'est un serpent ou bien ce n'est pas un serpent? Regardez. On m'a dit que c'est un serpent diabolique. Donc, ça dit que c'est un serpent qui est censé nous représenter le diable. Ça, c'est une marque d'une entreprise informatique qui fait la conception de l'ordinateur et autres. Regardez ça. Ça, c'est un serpent. De l'autre côté, un autre serpent. Plus en bas, un troisième serpent. Vous allez peut-être dire que oh, c'est juste pour blaguer, c'est juste pour le fan. Mes frères et sœurs, faites très attention. Faites très attention. Les gens sont tentés de faire de la publicité, de la promotion du diable sans le savoir. Regardez ça. Vous allez voir qu'il y a trois serpents ici. Le premier est ici, le second est là et le troisième est ici. Maintenant, vous allez remarquer que les trois queues de ces serpents-là se croisent en un point. Et quand ils se croisent en un point, ça forme un signe que d'autres comprennent et d'autres pas. Mes frères et sœurs, ce signe qui est formé juste au milieu que vous voyez juste là, à ce niveau-là, ce signe-là, c'est 666, la marque de la bête. Le premier serpent ici, sa queue arrive là et ça forme un 6. Un 6. Le deuxième serpent, sa queue vient et ça forme également un 6. Un 6. Mais c'est renversé. Mais c'est un 6. Et le troisième aussi vient faire un 6. Un 6 renversé. Le tout réuni, ça forme 666. 666. Personne ne sait. Peut-être on vous en parle parce que c'est de la blague. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses sont visibles. Qu'est-ce qu'un serpent fou là? Même devant la pharmacie, devant les pharmacies, on voit un serpent dans une coupe. Ou autour d'une coupe. C'est la même chose. C'est le diable qui est là. Le diable même utilise même la médecine, la technologie, toutes ces choses pour nous mettre dans les problèmes. Et regardez ça. Ces choses sont réelles. On les utilise au quotidien sur les appareils, les écouteurs, les ordinateurs. On voit le même symbole. Sans savoir qu'il y a un 666 déjà gravé là. Vous pensez que le diable va pas se cacher pour le moment? Il va bien se cacher. Avant d'annoncer le signe 666, il sait que le temps pour que ce signe 666 soit mis en application n'est pas encore arrivé. Donc, il va d'abord se cacher, amener les gens à accepter la marque sans le savoir, en positionnant tout simplement le côté, c'est-à-dire en positionnant cette marque-là de façon subliminale, c'est-à-dire de façon cachée sur des symboles comme ce que nous sommes en train de voir, juste pour que les gens puissent déjà les avoir chez eux, ou bien les transporter sur eux, et déjà publier cette marque 666 et appartenir, être même accro à ce genre de choses. De sorte que quand le moment vient pour que la cette ou qu'il soit marqué par cette marque, il ne puisse pas refuser. Et regardez ça. Ça fait 666. Et dans les appareils, peut-être que tu as ton portable sur toi, la marque 666 est partout, même dans les appareils. C'est pourquoi dans le témoin puissant précédent qui a apporté même à la fin de cette vidéo, on nous a dit qu'il y a certaines fonctionnalités dans les portables auxquelles il ne faut pas accéder. Parce que quand vous accédez à ces fonctionnalités, ça vous initie au satanisme ou encore l'occultisme. Ça a l'air bizarre, mais ça m'étonne moi-même. Mais c'est réel. En voyant ces genres de choses, nous commençons à croire. Et les célébrités, chaque jour, sont tentées de faire ce qu'on appelle l'idolâtrie. S'il y a bien une chose que Dieu déteste, c'est l'idolâtrie. Dieu déteste le fait que ses enfants adorent d'autres dieux que lui. Et ici, les gens sont en train d'adorer d'autres dieux que le vrai Dieu. Il se cache un œil, et cet œil qui est caché là, et le nouveau œil qui est là, c'est l'œil de qui? C'est censé être l'œil du diable. Et les gens commencent à représenter de telles choses, des célébrités. Juste pour que nous tous, nous puissions adhérer à la chose, même inconsciemment. Quand tu vois ta célébrité faire un truc pareil, tout de suite tu te dis que, où es-tu? Tu peux faire la même chose. Il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Le monde est en train de se laisser avoir par le diable. Oui, ces choses sont même plus réelles que réelles. Et quand les gens décident
de se faire graver toutes ces choses sur eux. Voici ce que ça donne dans la vie réelle. Ça donne un truc pareil où les gens présentent la marque du diable ou encore un dragon carrément sur une voiture. Comme ça. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les gens sont en train de faire la publicité du diable. Vous, vous allez peut-être voir la beauté de la voiture, comment la voiture est belle. On va dire que c'est une voiture de luxe, c'est une voiture populaire. Tout, c'est tout ce que vous allez regarder. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière tout ce, toute œuvre, il y a un esprit. Ça, avant de créer cette voiture, les gens ont imaginé. Ils ont pensé à comment ils vont faire pour créer la voiture. Il y a certaines personnes qui tirent les sources d'inspiration de la drogue. D'autres tirent les sources d'inspiration de l'alcool. D'autres encore tirent les sources d'inspiration du monde des ténèbres. Et quand les gens vont collaborer avec le monde des ténèbres, eux, ils aiment vraiment que ces gens-là continuent leurs sources d'inspiration chez eux. Ils puissent tout simplement les glorifier, c'est-à-dire mettre quelque chose dans leur... dans leurs œuvres, afin que eux aussi puissent se reconnaître. C'est là que vous allez voir les 666 comme on vient de vous montrer ici, représentés au travers des trois serpents qui se, dont la queue se croise en un point pour former les 666. Et ici, c'est visible, c'est un dragon, mais les gens ont pensé que c'était un jeu. Donc là, le diable est en train de vous montrer que c'est son esprit qui est censé être là. La voiture qu'elle a, elle est belle. Elle, a, elle peut même te séduire. Mais fais attention, fais très attention. Il y a un esprit mauvais qui est en train d'être publié ici. Ils sont en train de faire sa publicité. Et c'est un dragon qui est même gravé là sur la voiture. Et toi, tu dois vraiment faire très 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 attention. Ces choses sont réelles. Ce dragon est là. Ça veut dire que dès que toi, tu commences à aimer la voiture, automatiquement, tu commences à aimer le dragon aussi. Tu commences à aimer le dragon qui est juste gravé là sur la voiture. Et partout, on peut voir qu'effectivement le dragon est là. Que se passe-t-il dans la tête des gens? Que se passe-t-il dans la tête des gens? Les gens disent ça, les gens pensent que la vie sur la terre, c'est un jeu. La vie sur la terre, les frères et sœurs, nous allons vous dire, c'est un combat. Nous sommes arrivés dans un endroit où dès que tu arrives, tu vas dans une guerre. Tu dois choisir un camp. Soit tu appartiens à Dieu, le Dieu saint, où tu appartiens au diable, le faux gars. Et ce gars-là, il cherche à amener les âmes en enfer. C'est ça son souci. Il sait qu'à la fin, il va perdre le combat. Donc, comment il va faire, comment va-t-il faire pour pouvoir vous avoir? C'est ça sa préoccupation. C'est là qu'il va se mettre à représenter de ces choses pareilles. Il va mettre de l'argent là-dedans. Beaucoup d'argent. Juste pour que vous puissiez voir et aimer, vous séduire. Au travers de belles choses, mais son esprit est là et on voit clairement la tête de ce dragon là qui est là. Son esprit est là. Peut-être que quand vous avez monté les images, vous avez pensé que c'était la blague. Maintenant que vous voyez maintenant la vidéo d'où ça vient, vous comprenez que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Arrêtez de vous tatouer les dragons, quels que soient les tatouages, arrêtez. C'est interdit. Ne vous mettez pas dans les problèmes. Je vous parle de quelque chose. Regardez mon vêtement. Y a-t-il un dessin là-dessus? Y a pas de dessin. Est-ce que même vous voyez même la marque? Y a rien. Mais à partir du moment où je porte un vêtement, où ils ont même clairement écrit 666 sur le vêtement, et que je me balade, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, mais ah, mon ami, tu es sûr que ça va chez toi? Comment ça veut dire que tu as porté un vêtement où il y a la marque 666, ou bien tu n'es pas au courant, ou bien tu ne sais pas. C'est là. Les gens vont vous poser tant de questions, ou ils vont même pas se rapprocher de vous, hein, et déjà ils vont se mettre à vous critiquer, ou encore à vous classer dans la tête. Oh, ce gars-là, c'est un faux gars. Toi-même, tu peux être une bonne personne, juste que tu ne sais pas que ces choses-là, ce sont les choses du monde des ténèbres. Ce sont ceux qui connaissent ce que vous te dire. C'est pourquoi il y a une star, il y a quelqu'un qui chante dans l'industrie de la musique. Il a dit que lui, ses clips, ce ne sont pas n'importe quel clip. Il dit que ce sont des clips avec des messages subliminaux que certains comprennent et d'autres pas. Ça veut dire qu'il y a plein de choses comme ça qui existent dans ce monde que toi, tu ne sais pas. Tu ne cherches pas à savoir. Nous, notre travail, c'est de découvrir ces choses et de te les révéler.
C'est pourquoi nous t'avons demandé de t'abonner sur Nyoskopon. Abonne-toi, clique sur j'aime pour donner de la force à la vidéo afin que d'autres personnes puissent la voir. Parce que quand tu cliques sur j'aime et que tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, le système de YouTube publie la vidéo partout. D'autres personnes découvrent, ceux même qui étaient ignorants, ils tombent sur la vidéo puis ils sont là. Ah, oh, comment c'est possible? Comment c'est réel? Ah, on m'avait dit, mais je ne savais pas. Ah, maintenant je comprends. Oh, mais dis donc, c'est comme ça. Ah, d'abord c'est comme ça. Mais dis donc. Mes frères et sœurs, nous devons savoir. Les gens ne veulent plus chercher. Puisque les gens ne veulent plus chercher, nous allons chercher à leur place et venir leur montrer, leur proposer et vous allez découvrir. Là, c'est sans commentaire. Laissez vos j'aime. Regardez-moi ça. Regardez ça. Mais j'ai du mal à y croire. Faites très attention à ne pas être séduit par toutes ces choses de ce monde. Pour ne soigner vous. Ah, j'oubliais. En cliquant sur Yoskobon, vous pouvez avoir accès à nos pages. Que vous allez voir nos trois autres chaînes. Yank TV, Yoskobon 2, Yoskobon 3. Abonnez-vous pour nous soutenir. Que Dieu bénisse, frères et sœurs.